Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de sophrologie ce matin chez Yogatitude. Évidemment, ce matin, on a beaucoup d'enthousiasme parce qu'on sait que bientôt, on va pouvoir vous retrouver en vrai, en live, dans les studios, enfin dans le studio. Donc, on est en train de préparer tout ça avec l'équipe de Yogatitude et ça nous met évidemment en joie. Alors, dans cette joie, ce matin, je vous propose une séance sur la légèreté. On va essayer d'alléger un petit peu notre quotidien. Pour arriver au moment après des retrouvailles, on va retrouver nos tapis, les amis, le partage comme ça de ce vécu en sophrologie et en yoga. Et aujourd'hui, pour cette séance sur la légèreté, j'ai envie de vous proposer quelque chose de très doux. Et on terminera par une visualisation où on va aller faire un petit voyage en montgolfière. Alors on va démarrer d'abord avec des exercices que je vous montre avant qu'on les fasse ensemble. On va refaire un exercice qu'on n'a pas fait depuis un petit moment, le pompage des épaules. Alors on va simplement fermer les poings, resserrer les mains, sans être crispé non plus. Aujourd'hui on va être dans la douceur. Et on va prendre une grande inspiration. On retient son souffle. Et là on va monter et descendre les épaules. Alors rappelez-vous, c'est à votre rythme. Ça peut être très rapide, comme ça peut être beaucoup plus lent. Ça peut être très ample, comme ça peut être des petits mouvements. L'idée, c'est de venir lâcher, libérer, lâcher du lest finalement, pour pouvoir se libérer de tout ce qui nous pèse, les tensions, qu'elles soient corporelles, mentales ou émotionnelles. Alors on est dans notre exercice du pompage des épaules, pardon. On a les mains refermées, on a les bras tendus, on a pris une grande inspire, on est en train de monter et descendre nos épaules et puis quand on aura besoin de souffler, on va souffler par la bouche, relâcher, bien ouvrir les mains et reprendre une respiration naturelle. On refera encore deux autres fois ce pompage des épaules pour lâcher, libérer. Et puis on continuera avec un deuxième exercice que vous connaissez bien aussi, qui est le soufflet thoracique. C'est cet exercice où on va simplement respirer au niveau du thorax, donc de la cage thoracique, en venant poser les mains sur les côtes. On pensera à bien garder les épaules relâchées, les coudes relâchés également. On va simplement rester dans cette posture et on va venir inspirer la légèreté et souffler tout ce qui nous pèse. Donc simplement de grandes inspirations par le nez, de grandes expires par la bouche. Et on fera au total trois fois ce soufflet thoracique. Et puis on va continuer avec un exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle les hélicores. C'est cet exercice où on va venir s'étirer d'un côté et de l'autre. Alors pour ça, on va basculer le poids du corps d'abord sur le pied droit, prendre une grande inspiration, étirer son bras droit vers le plafond, on retient son souffle. On garde tout le côté gauche bien relâché et en apnée, on va venir étirer, c'est-à-dire emmener la main vers le plafond tout en enfonçant le talon droit dans le sol. Et puis en apnée toujours, on va venir ouvrir tout le flanc droit. Et puis bien sûr, quand on a besoin de souffler, on souffle, on relâche et on revient sur nos deux pieds. Alors vous vous rappelez cet exercice, on le fait trois fois du côté droit, du coup trois fois du côté gauche, et puis une dernière fois avec les deux bras en même temps, et on enfonce donc bien les deux talons dans le sol. Rappelez-vous également qu'à tout moment, dans ces exercices de sophrologie, vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué, et vous pouvez également suivre, et c'est même recommandé, votre propre souffle. Ne m'attendez pas, soit pour inspirer, soit pour souffler, quand c'est le moment pour vous. Allez-y. Et puis on continuera cette séance sur la légèreté avec un exercice qui va combiner les bras et les jambes. Où on va d'abord inspirer par le nez en sentant la légèreté de notre bras comme s'il s'envolait tout seul. Alors on inspire en levant ce bras tout doucement. Et puis on retient son souffle quelques instants, on sent notre bras un peu comme une plume légère. Et puis on souffle par la bouche en le relâchant doucement. On est dans la retenue, on est dans la douceur pour cette séance.
Et on continuera cette fois avec la jambe droite. Alors on va bien sûr basculer le poids du corps sur le pied gauche et on va inspirer en décollant le pied du sol. C'est juste décoller le pied du sol pour sentir le poids de notre jambe droite. On n'est pas obligé d'aller très haut. Hein. Et puis, quand on a terminé, on souffle bien en relâchant et on revient sur nos deux pieds. Alors cet exercice, vous pouvez tout à fait le faire assis si c'est plus confortable pour vous, si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ça, vous le savez. Et puis on terminera cet exercice avec à la fois la jambe et le bras du côté droit. On rebascule le poids du corps à gauche et on lève les deux en même temps, tout en douceur en inspirant. Et on souffle, on relâche, on revient le pied au sol et sur nos deux appuis. Alors bien sûr, tout ce qu'on a fait à droite, on va aussi le faire à gauche. Et on terminera simplement avec les deux bras en même temps, puisqu'on ne va pas lever les jambes en même temps quand on est debout. Mais si vous êtes assis, vous pouvez le faire. Et en soufflant, on va relâcher très légèrement. Alors, comme vous l'avez compris, en expérimentant aujourd'hui la légèreté, on va expérimenter aujourd'hui aussi la retenue, la finesse des mouvements, la lenteur. Et on aura donc terminé à ce moment-là les exercices de relaxation dynamique et ce sera le moment de prendre une position confortable pour aller faire un petit tour en montgolfière. J'espère que tout est OK pour vous. On va pouvoir donc maintenant se lever, se mettre un petit peu en jambe avec notre Sofo Check-in. On va bouger un peu nos articulations, s'échauffer. On va échauffer particulièrement, oui, les articulations aujourd'hui pour pouvoir travailler tout en douceur. Donc les épaules, les coudes, les genoux, les chevilles, le bassin un peu moins pour aujourd'hui. On ne va pas beaucoup le solliciter. Mais on va quand même prendre le temps de s'échauffer. Et puis quand c'est bien pour vous, que vous vous sentez un petit peu prête, prêt, on va pouvoir réchauffer nos paumes de main et commencer notre boule du samouraï en passant les paumes de main sur le cuir chevelu en soufflant. On va continuer ensuite sur le visage, le front. Le nez, les joues, on passe dans le cou. Et puis on continue. Un peu à notre rythme, dans cette bouche du samouraï que vous connaissez maintenant, on passe par les épaules. Par la nuque, le haut du dos. On continue le long des bras. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire cette douche du samouraï tout en douceur pour commencer à installer cette petite lenteur qu'on va avoir au fil de la séance aujourd'hui. Prends le temps. Et on va continuer avec le haut du dos. Les dorsaux. Les lombaires. Et on revient sur l'avant du buste avec le haut de la poitrine, la cage thoracique, l'abdomen, la taille. Et on descend sur le bassin, les muscles fessiers, les cuisses et on descend le long des jambes. Allez-y à votre rythme, hein, si vous êtes en avance ou un petit peu après moi, ça n'a aucune importance. Suivez ce qui est bien pour vous. Pensez à bien dérouler le dos pour protéger votre colonne, votre tête. Et quand vous avez terminé, que vous êtes revenu à la verticale, on va maintenant prendre ensemble une grande inspiration par le nez en levant les deux bras à la verticale, les paumes de main sont face à face. Et puis en soufflant, on redescend les mains
Là, on reprend une inspiration sans bouger les mains, on vient contenir notre présence. Et on souffle bien en avançant les bras vers le groupe, on se met en lien. Et en inspirant, on écarte les bras pour s'ouvrir au groupe. Et on relâche tranquillement en soufflant. Et nous voilà prêts pour démarrer cette séance. Alors cette séance, elle commence avec le pompage des épaules, que vous pouvez faire assis si vous le souhaitez, en gardant les deux pieds bien à plat dans le sol et en redressant le dos, donc on ne s'appuie pas sur le dossier. Et si vous êtes debout, vous positionnez vos pieds parallèles entre eux, écartés à peu près à la largeur du bassin pour avoir une bonne stabilité. On relâche dans les genoux, dans le bassin, on redresse son dos, on étire sa colonne vertébrale, on relâche dans les épaules, dans les coudes et on positionne sa tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Et en fermant les yeux, vous allez simplement vous connecter à tout ce que vous avez besoin de déposer. On va s'en libérer, s'en débarrasser, on va lâcher du lest. Et même si ça n'est pas formellement évoqué avec des mots, des images, pensez simplement à quelque chose d'un peu brumeux, là, dont vous avez besoin de vous débarrasser. Et vous allez maintenant l'attraper en refermant les mains sans vous crisper. Et ensemble, on prend une profonde inspiration par le nez. On retient son souffle et on monte, on descend les épaules à la vitesse qui est la vôtre, de l'amplitude qui est la vôtre. Et dès que vous avez besoin de souffler, vous soufflez bien en relâchant les bras. Et on reprend une respiration naturelle. On libère, on dépose, on laisse s'en aller tout ce qui a besoin de partir. Et on commence à observer les premières sensations dans nos épaules, dans nos bras, dans les doigts. Est-ce que ça chauffe un petit peu? Est-ce que ça picote? Est-ce que c'est pas très clair? En bienveillance et sans aucun jugement, on va simplement être à l'écoute de ce qui se passe pour nous. Puis, on va se préparer à recommencer une deuxième fois en se rappelant que dans le mouvement, on ne plie pas les coudes, les bras restent bien droits, c'est simplement les épaules qui montent et qui descendent, les coudes restent droits. Alors, on va à nouveau fermer les mains pour attraper tout ce qu'on a besoin de déposer, quelle que soit l'image qui nous vient. Et on prend ensemble une profonde inspire. On retient notre souffle et on monte, on descend les épaules. Vous avez le droit de changer de vitesse, de changer l'amplitude du mouvement. Et puis quand c'est le moment pour vous, soufflez bien en relâchant, en ouvrant les mains. On reprend une respiration naturelle. Et on reste encore une fois à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Des sensations dans les épaules, dans le haut du dos, parfois ça commence à relâcher un peu. On observe aussi ce qui se passe dans les bras, dans les poignets, dans les mains. Parfois dans les avant-bras et dans les mains, ça fait un petit effet de lourdeur, comme si tout coulait, tout s'en allait. Parfois ça fait des picotements ou de la chaleur et parfois c'est encore autre chose. Alors restez simplement avec les sensations qui sont les vôtres maintenant.
puis on va recommencer maintenant une troisième fois. Et à cette troisième répétition, vous allez y aller quand c'est le moment. On reprend une respiration naturelle. On reste simplement avec nos sensations. Commencez dans mes épaules, commencez le long de mes bras, dans mes mains, mais également commencez dans l'ensemble de mon corps. Est-ce que ça relâche un petit peu? Parfois, on commence à ressentir un petit peu d'allègement, une certaine forme de soulagement. Commencez dans la tête également pour nous. Est-ce que ça se pose un petit peu? Alors on prend conscience avec cet exercice de notre capacité à déposer, à lâcher du lest pour se débarrasser de tout ce qui vient nous alourdir, tout ce qui vient peser pour nous. Et on va pouvoir maintenant, toujours les yeux fermés, se préparer à ce deuxième exercice, le soufflet thoracique. Et pour cela, on va simplement venir positionner les paumes de nos mains sur les côtes. On est assez haut sur les côtes, mais là, on est juste en dessous du soutien-gorge, pour pouvoir sentir les côtes qui sont attachées au sternum, pas les côtes flottantes. Et puis, on va déjà relâcher dans les épaules, relâcher dans les coudes. Bien entendu, si cette position est inconfortable, vous pouvez simplement relâcher les bras et porter votre attention sur la cage thoracique. On observe comment est notre respiration quand elle est naturelle, automatique. Et on va venir maintenant prendre une grande inspiration en venant inspirer la légèreté, un peu comme si on s'imaginait être une plume légère. Alors on y va ensemble, on prend une grande inspire et on souffle bien par la bouche. Relâcher les bras le long du corps si on sent que ça tire un petit peu dans les épaules, dans les coudes. Et on observe simplement les effets de cette profonde respiration. Et puis on va recommencer une seconde fois en inspirant la légèreté, l'allègement et en soufflant tout ce qui nous pèse. On y va ensemble. Et on souffle bien. On reprend une respiration naturelle. On reste simplement à l'écoute des sensations qui sont les nôtres. Ça fait là dans ma cage thoracique de prendre comme ça une grande inspiration, de sentir mes côtes bouger, s'ouvrir. Et puis, on va recommencer une troisième fois et cette troisième fois, vous allez la faire à votre rythme quand vous vous sentez prêt et prête.
Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez relâcher les bras le long du corps pour rester simplement avec vos sensations. Les sensations peut-être d'espace dans la cage thoracique. Les sensations d'ouverture. Et puis peut-être d'un certain apaisement. Alors on peut prendre conscience avec cet exercice de notre capacité à inspirer la légèreté, l'allègement, et à souffler loin de nous tout ce qui nous pèse. Et puis on va se préparer à commencer l'exercice suivant, celui des hémicorps. On va s'étirer d'un côté et puis de l'autre. Alors pour cela, toujours en fermant les yeux, on va s'assurer d'avoir un bon ancrage dans le sol, les pieds bien installés, bien à plat. Bien entendu, si vous voulez, vous pouvez faire cet exercice également assis, vous étirerez essentiellement le haut du corps et pour cela, il faut également avoir les pieds bien à plat dans le sol, avoir un bon ancrage. Et pour ceux qui sont debout, on va basculer le poids du corps sur le pied droit. Et en prenant une grande inspiration, on va venir lever notre bras droit à la verticale. On retient son souffle et on vient étirer la main. Alors on y va doucement avec son corps et on place beaucoup plus l'intention de s'étirer que le mouvement en lui-même. On enfonce également bien le talon droit dans le sol et puis quand c'est le moment pour vous, soufflez bien en relâchant tout en douceur et en revenant sur vos deux pieds. En reprenant une respiration naturelle, vous allez rester simplement à l'écoute de ce qui se passe dans votre bras droit, dans votre côté droit et même dans toute la jambe droite jusqu'au talon. Puis on va pouvoir recommencer une nouvelle fois. Alors on rebascule le poids du corps sur le pied droit pour ceux qui sont debout. On reste assis sur ses deux fesses pour ceux qui sont assis. Et on prend une profonde inspiration par le nez en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle et on tire la main vers le ciel. On enfonce le talon dans la terre. On ouvre grand tout le flanc droit. On vient s'alléger en s'étirant. Puis quand c'est le moment pour vous, soufflez par la bouche en relâchant doucement le bras droit et en revenant sur vos deux appuis. On reprend une respiration naturelle. On continue à observer la qualité de notre étirement à droite. Toutes les sensations. Et puis on va venir recommencer une troisième fois à droite. Et pour cette troisième répétition, vous le savez maintenant, c'est quand vous vous sentez prêt et prêt.
Et lorsque vous avez terminé, reprenez une respiration naturelle. Vous pouvez alors procéder à une petite comparaison, côté droit, côté gauche. Quelles sont mes sensations dans les bras à droite à gauche, dans les flancs à droite à gauche, dans les jambes, dans les pieds à droite à gauche. Parfois on a l'impression d'avoir un bras plus long que l'autre quand on est au milieu de cet exercice. Alors on prend conscience de notre capacité à s'alléger un petit peu du côté droit avant de continuer du côté gauche. Pour celles qui sont debout, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche et on va maintenant ensemble prendre une profonde inspiration par le nez en levant le bras gauche à la verticale. On retient son souffle et en gardant le côté droit bien relâché, on vient s'étirer. On garde le talon enfoncé dans le sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, soufflez bien par la bouche en redescendant tranquillement votre bras et en revenant sur vos deux appuis. On commence à observer, là encore, toutes nos sensations dans le côté gauche. Les premières sensations après cet étirement. Et puis on s'apprête à recommencer une deuxième fois et pour cela on rebascule le poids du corps sur le pied gauche. Si on est assis, on reste bien sur nos deux fesses et on inspire en levant le bras gauche à la verticale. On ne penche pas ni d'un côté ni de l'autre, on est bien droit et puis en retenant son souffle, on tire la main vers le ciel, on enfonce le talon dans le sol. On ouvre tout son flanc gauche, on s'allège. Et bien entendu, quand c'est le moment pour vous, soufflez en relâchant doucement, avec un peu de retenue. On reprend une respiration naturelle en revenant sur ses deux appuis. Et on continue à observer les sensations dans notre flanc gauche. Peut-être que vous commencez à sentir en vous étirant aussi du côté gauche que ça vous grandit un petit peu, c'est comme si vous aviez moins de poids sur les épaules. Et puis on va refaire une troisième fois du côté gauche, alors on bascule à nouveau le poids du corps sur le pied gauche et vous y allez quand c'est le moment pour vous. Quand vous avez terminé, assurez-vous d'être bien sur vos deux pieds, le poids du corps réparti sur vos deux appuis. Vous pouvez à nouveau faire une comparaison côté gauche, côté droit.
Et puis on va faire une toute dernière fois cet exercice avec les deux bras en même temps. On va donc rester le poids du corps réparti sur nos deux pieds. Si on est assis, on garde bien nos deux pieds dans le sol. Et on y va ensemble en inspirant par le nez, on lève les deux bras à la verticale. On retient son souffle. On étire bien les deux bras, les deux mains montent. Les deux talons s'enfoncent dans le sol. On s'allège. Et quand c'est le moment pour vous, on souffle doucement en relâchant. Et on retrouve une respiration naturelle, automatique. On prend le temps d'observer comment on se sent dans l'ensemble du corps. Parfois, on sent l'étirement de notre colonne, comme si notre colonne s'était détassée. Parfois, on ressent un certain relâchement, un certain allègement au niveau des épaules. Parfois, on a l'impression d'avoir un petit peu grandi. Et alors, globalement, on peut prendre conscience de notre capacité avec cet exercice à s'étirer, à s'élever, à venir s'alléger encore un peu plus. On va pouvoir maintenant continuer avec le dernier exercice des relaxations dynamiques. On peut le faire debout ou assis. Si on est assis, on va décoller le dos du dossier. Et on va d'abord commencer avec le côté droit et le bras droit. Alors ensemble, on y va. On inspire par le nez en levant doucement le bras droit à l'horizontale, comme si c'était une plume qui s'élevait. On reste là quelques instants pour sentir la présence de notre bras. Observez sa légèreté. Et en soufflant, on relâche le bras tout doucement avec un peu de retenue. Et on retrouve une respiration naturelle. On reste à l'écoute des sensations dans l'épaule, le long du bras, le coude, poignet, main. Et puis maintenant, on va faire avec la jambe droite. Alors pour cela, on bascule le poids du corps sur le pied gauche. Il s'agit simplement de décoller un tout petit peu le pied du sol. Ceux qui sont assis restent bien sur leurs deux fesses. Et on inspire en venant décoller le pied du sol tout doucement pour sentir notre jambe qui s'allège. Et puis on souffle bien en relâchant et en reposant le pied au sol, on revient à nouveau sur nos deux pieds. On prend une respiration naturelle pour observer les sensations dans notre jambe. Et alors on vient maintenant. Pour la troisième fois, faire bras droit, jambe droite en même temps. On rebascule donc le poids du corps sur le pied gauche. Et tout en douceur, sans objectif de performance, on inspire et on vient lever le bras, la jambe. Et on souffle en relâchant doucement avec un peu de retenue pour observer notre bras, notre jambe, comme si c'était très léger, comme une plume. On peut alors faire à nouveau une comparaison côté droit, côté gauche. Parfois, le côté gauche qui est resté relâché nous semble peser un petit peu plus.
alors que ce côté droit dans les bras, dans le bras et dans la jambe, nous semble plus léger. On va pouvoir maintenant faire la même chose du côté gauche. On garde pour l'instant les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et on y va en inspirant et en levant le bras gauche à la verticale, à l'horizontale, pardon. Et on souffle doucement en relâchant tout doucement avec de la retenue. Et on reprend une respiration naturelle. On commence à observer les sensations dans le bras. Et on se prépare maintenant à faire avec la jambe. Alors on va basculer le poids du corps sur le pied droit. Et ensemble, on prend une profonde inspiration. On vient décoller le pied du sol. Et on souffle en ramenant tout doucement le pied au sol et on revient sur nos deux appuis. On reprend une respiration naturelle. On observe là encore la légèreté de cette jambe. Et maintenant, on va à nouveau basculer le poids du corps sur le pied droit et en inspirant, on soulève le bras, la jambe gauche. Et on souffle bien par la bouche en redescendant le tout, tout doucement et puis on revient sur nos deux pieds. Et pour terminer cet exercice, on va simplement faire les deux bras en même temps. Ceux qui sont assis, évitez de le faire avec les jambes en même temps ou alors caler votre dos dans le dossier pour ne pas vous faire mal. On y va ensemble. On inspire par le nez en levant les deux bras à l'horizontale. Et on souffle par la bouche en redescendant avec lenteur et retenue. Et on relâche bien les bras le long du corps en reprenant une respiration naturelle. Prenez conscience de la légèreté de vos membres, les bras, les jambes. Prenez conscience de l'allègement qui s'installe progressivement dans votre corps. Ressentez cette légèreté. Et maintenant que cet exercice est terminé, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et prendre le temps de vous installer confortablement pour le moment de visualisation où nous allons faire un petit voyage en montgolfière. Alors prenez tout votre temps pour vous installer dans de bonnes conditions. Soit en vous calant dans votre fauteuil, dans votre chaise, soit en prenant le temps de vous allonger.
Je me rapproche moi aussi un petit peu de vous à travers l'écran. Et puis une fois que vous vous êtes installé confortablement, que vous avez pris le temps de caler votre nuque, de bien étaler votre dos au sol, de relâcher dans les bras, dans les jambes, peut-être de caler l'arrière des genoux pour soulager aussi ces articulations. Quand vous avez pris le temps de trouver la bonne position pour vous et peut-être même de vous recouvrir un petit peu, vous allez pouvoir simplement installer encore un petit peu plus de détente et de relâchement. En venant relâcher tout le cuir chevelu, en venant relâcher dans le front, dans les sourcils. On relâche également dans les paupières, dans les tempes. On vient relâcher dans les joues, tout autour de la bouche. Et on relâche également le long des mâchoires, on vient décrisper, ce qui permet de détendre à l'intérieur de la bouche, de desserrer les dents. On vient déposer la langue également. Et puis on vient relâcher dans la nuque. On vient relâcher le long des épaules. On vient relâcher tout le long des bras, biceps, triceps, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts. On vient maintenant relâcher dans le dos chacun des muscles, le long de la colonne vertébrale, depuis la nuque jusqu'au bassin. On relâche également dans l'avant de la poitrine, dans le thorax, dans l'abdomen. On relâche dans le bassin, les muscles des hanches, les muscles fessiers, le périnée. On relâche le long des jambes, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et puis on vient relâcher un petit peu plus encore dans l'ensemble du corps et aussi dans la tête. Les pensées se déposent. On les laisse passer sans les attraper. On laisse tout ça glisser.
On apprécie la qualité de ce relâchement. On commence à ne plus tout à fait ressentir les sensations dans le corps. C'est un petit peu comme si on était en flottement. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vous propose de vous imaginer un peu tôt le matin dans un joli paysage, un joli champ très grand, par une magnifique journée, une belle journée d'été ensoleillée. C'est le matin, il ne fait pas encore très chaud. Et vous pouvez apprécier le paysage, tout le décor. Regardez l'immensité de ce champ, l'herbe verte, le bleu du ciel. Et déjà, cette petite luminosité matinale qui annonce une belle journée. Alors dans ce champ, vous pouvez apercevoir déjà cette montgolfière qui est en train d'être gonflée. Vous savez que vous allez faire un magnifique voyage dans ce moment un petit peu unique, un petit peu exceptionnel. Alors vous vous rapprochez de cette montgolfière qui est encore attachée au sol. Et puis maintenant que ce ballon est presque gonflé dans ce bruit assez caractéristique, un petit peu fort d'ailleurs, vous pouvez prendre place à l'intérieur de la nacelle. Et au sol, on commence à dénouer les cordages. C'est le moment de larguer les amarres. Et vous vous sentez progressivement décollé. Vous vous élevez progressivement du sol. Vous prenez de la hauteur et vous commencez à regarder les personnes dans ce champ devenir de plus en plus petites. Dans votre champ de vision, vous voyez de plus en plus de choses. C'est un petit peu comme si vous dézoomiez et que vous pouviez embrasser du regard un paysage immense. Alors, profitez de ce paysage, de cette vision globale qu'il vous apporte. Et continuez à vous élever jusqu'à atteindre la hauteur qui est la vôtre. Vous sentez l'air un peu plus frais. Et c'est un petit peu comme si vous flottiez là dans cet espace immense. Comme si vous ne pesiez plus rien. Alors vous pouvez regarder tout autour de vous, faire le tour de cette nacelle dans une vision à 360 degrés. Profitez de ce paysage à la fois immense et magnifique. Vous avez complètement décollé des petites choses du quotidien.
de là où vous êtes, tout paraît un petit peu différent. Les distances, les sons, les repères. Vous vous imaginez peut-être que c'est la façon dont les oiseaux perçoivent notre monde. Et vous vous mettez à traverser des paysages différents, portés par le vent, les courants de l'air. Vous avancez comme ça à un rythme un peu indéfini. Là encore, c'est un peu une perte de repère. Une perte de repère agréable qui permet de prendre le temps d'être dans la lenteur et de profiter simplement du moment présent et du voyage. Prenez le temps alors de vous connecter à vous-même, à vos ressentis, à vos sensations, pour être pleinement ici et maintenant, dans ce moment. Dans cette légèreté, presque une forme d'insouciance, on a suspendu le temps. Profitez de ce répit, de ce flottement. Profitez de cette parenthèse, de ce moment absolument unique. Pour ralentir votre propre rythme. Pour avancer à la même vitesse que cette montgolfière, pour profiter pleinement de ce voyage, car déjà, le champ d'arrivée pointe son nez à l'horizon. Vous amorcez alors votre descente. Vous voyez le paysage se rapprocher, vous voyez les détails devenir de plus en plus grands. L'herbe se rapproche. Et soudain, vous vous posez. Vous avez terminé ce magnifique voyage, et tout en gardant la sensation de légèreté, la sensation de hauteur, vous allez pouvoir revenir tranquillement ici et maintenant en retrouvant cette fois les sensations de votre corps installé sur son support. En prenant le temps de vous remettre progressivement en mouvement, on bouge un peu les mains, un peu les pieds. On prend le temps de s'étirer, de bâiller si on en ressent le besoin. Et puis, lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, tout en vous laissant revenir progressivement à vous-même,
dans cette légèreté. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle séance chez Yogatitude. Et d'ici là, passez une excellente semaine. Merci.